par jour. Bon, on est parti à Bruxelles, on va aller voir POG. C'est tout, on se casse, on y va, le train est là. 9 euros. La suite sera faite à la GoPro. C'est un peu bruyant. Désolé, la suite sera faite à la GoPro. Go! On est à Bruxelles. On est. Voilà. C'est un peu grand comme maison de campagne, Bruxelles Midi. Hein. Processeur d'iPhone, MacBook, iMac. Le dernier là-bas, il a acheté un Mac Pro. Ah bâtard. Le dernier. Bien. Hein. Le blanc, je l'ai vu, il a acheté un Mac Pro. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Et il a pas peur. Bien, si. À la limite, le mec, il vient de dire bonjour. Mais carrément. Ouais. Et tu sais que t'es un génie. Ouais. Bah ouais, comme ça. Ouais. Je suis un génie. Ouais. A chaque fois vous y aurez le droit. Oh mais regarde, qui c'est là-bas? Une voiture tête dorée. Oh le pogou. Le pogou mes frères. Le pogou il est là. C'est génial. Le pogou. On va aller voir ça de plus près si on sait pas là, drôle. Le pogou, le pauvre pogou, il s'est foutu dans la gueule. Par contre la stabilisation marche bien. Hein. Là je suis en train de bouger mec. Bonsoir. Bonsoir à tous, c'est Nikos Aliagas. Bonsoir à tous, Nikos Aliagas, bienvenue dans Star Academy. Une émission à 800 000 euros, j'aurais. Alors les gars, comment te dire, la voiture qui a fait un embrayage, qui a fusionné un catalyseur, qui sort des chevaux à pas possible. Ok d'accord. Et ben, le con, il est là. Alors, en plus, il a, on verra pas la GoPro, mais il a le trou au-dessus du Komodo d'essuie-glace, là où il a eu le feu. Voilà, il a découpé le plastique, sinon c'était dégueulasse. Affirmes-tu cette affirmation que c'est, que sinon ça ferait dégueulasse avec 4 S? Non, d'accord. Bon, désolé. C'est les S, si, hygiène? D'accord. Mais il y en a combien de S? 28. Nous avons été interrompus par le direct. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Bon, j'en aurais mis que deux. Ouais, ouais. Mais non, un S, un seul. Alors, pour ceux qui ne sont pas novices et qui ne connaissent pas, je suis sûr que vous avez le vent, le POG Tour, en fait, c'est l'idée de POG de faire son Gumball 3000. Parce qu'en gros, il était parti, il fait. Je fais le Gumball 3000 ou je le fais pas cette année. Bon. Alors après, du coup, il a réfléchi parce que, genre, les sondages, ils disaient allez, fais le Gumball 3000, fais-le. Mais de toute façon, bon. À chaque fois qu'il propose un truc, ça part en couille. C'est-à-dire que l'autre fois, il fait, je sais plus, à 80 000 likes, j'achète la Mini. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a acheté la Mini. C'est ça. Ouais. Ah, donc, du coup. Il est comme ça, puis il fait ah bah tiens, bah, c'est bien le Gumball 3000, mais si je le fais moi, ouais. Du coup il a créé l'idée le POG Tour. Et là, du coup, il a dit je fais le Gumball 3000 ou le POG Tour. Au final, il a fait les deux. Et voilà, et donc là, il a fait des insomnies pendant 15 jours. Et donc, en gros, le POG Tour c'est POG dans différentes villes. Là, Bruxelles, demain c'est Déchy. C'est parti en insomnie, voilà, c'est ça. Et donc,
bah, il fait le pop-tour. Voilà, c'est parti. Petite, petite course automobile de type très bien avec des voitures un peu comme ça, tu vois quoi là. Petite Lambo, voilà, petite Dodge, enfin, t'en apportes tous les goûts, tu vois quoi. Une petite Merco, pas Merco, une BM là-bas. Voilà. Et bien sûr, le signe de ralliement du pop-tour, c'est très gentil, très gentil. Faut aller chez Total Wash. C'est... Ah oui, en fait, il est déjà passé à l'éléphant bleu, pardon, autant pour moi. Ouais, voilà. Alors, le petit Pogu, alors je voulais vous montrer parce que il a du coup, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais il a du coup, ça c'est le Pogu que vous avez pu voir dans les vidéos, où en fait ça a cramé au-dessus du Komodo d'essuie-glace. Et ça, bah, là, voilà, là, voilà. Donc voilà, il est tout frappé or et tout. Alors là, pour
driver, bien sûr. Un petit peu de maillot, un petit peu de matériel, voyez-vous. Parce qu'il faut bien se faire un peu de thune, hein, vous voyez. Bon. Ah, voilà, les maillots POG avec le fuck, le film légendaire. Et alors, il y a un peu de matériel dans le coffre. Alors, vous voyez, ils ont carrément mis des tubes. Ouais, ils ont carrément mis des tubes dans le coffre. Ils ont été obligés parce que... Là, le truc, maintenant, ça sort 1400 chevaux. C'est 1,5 litre DCI, 1400 chevaux. Carrément. Le réservoir est vide en 3 secondes. Carrément. C'est simple, il donne un coup d'accélérateur, il doit passer chez Total. Il passe Mach 8. Le truc mais s'envole. Je vais donner un défi, c'est de donner le plus de marques dans cette vidéo, comme ça on va se faire niquer notre race. Voilà. Alors c'est un peu compliqué pour filmer et tout ça. Ah, je disais, c'est un peu compliqué pour filmer, puisque déjà il y a de la musique, c'est en droit d'auteur souvent, et il y a du monde. Donc j'ai pas pu vous faire forcément des belles images, je suis un peu triste. Mais, je suis ici, sur la place du cinquantenaire à Bruxelles, qui est magnifique. Vous avez un parc, c'est le parc du cinquantenaire juste derrière là, derrière ça là, voilà. Derrière ça. Ah ouais. Le Parlement européen. Et le Parlement européen aussi, vous avez vu dans les petits plans de coupe. Je suis arrivé là-bas. Il a eu envie de se tuer. Voilà. Mais non, mais tu comprends, c'est la première fois de ma vie que ça me chatouille les yeux. Voilà. Alors, j'avais un défi. J'avais un défi. C'était de demander à Bug. C'était de demander à Pog qu'il vienne ici en face de la GoPro et qu'il fasse un petit salut, c'est Pog. Ça n'est pas là d'arriver. Ça, si tu vas pas le demander. Ouais, mais il y a du monde. Il y a énormément de monde. Tu ne tentes rien à rien. Ah voilà, tristesse et amertume dans le plus sincère des mondes. On a tendance à savourer ces petites images. Une Menem 2. Allez. Un peu frappé, voyez-vous. C'est léger. C'est... Des Michelin. Des Michelin. Ceux que j'ai pété. Les pneus que j'ai pété, qui vibraient. Voilà. Comme d'habitude, ça sert à ça, des pneus Michelin. C'est armature de merde. Voilà. Je passe devant. Hein. Je passe pas devant la star, là. Merci beaucoup. Je repasse beaucoup. Devant, je repasse. Une petite 911... Carrera GTS, on peut avoir l'intérieur. On peut avoir l'intérieur. Une petite Porsche. Vous voyez ? Bon. Voilà. Très très bien. Ah, la POG. Voilà. C'est ce monsieur-là. Là. Le mec avec son maillot noir qui tient un bazar dans ses mains qui vient de le poser. Voilà, c'est lui. Là, il sert une main. Voilà, c'est ce monsieur-là. Du Red Bull, il s'étouffe avec mon ah. Ah, je prends tout dans la gueule. Oh, allez, on s'en va parce que sinon on va rater le train. Ta gueule, c'est que... Alors voilà, donc là on est en train de revenir vers l'île Flandre, mais ne faites jamais comme nous. Si vous devez réserver entre la France et la Belgique, prenez le retour avec l'aller. C'est mieux. Ou alors munissez-vous de, je sais pas, de l'application SNCB, un truc comme ça. Et ne faites pas comme nous, n'essayez pas de réserver des billets de train en Belgique avec l'application SNCF. Ça peut vous porter préjudice. On a quand même failli se faire virer du train. Ne faites pas comme nous. Alors qu'on a payé, hein. On va juste leur rappeler qu'on leur a donné 32 balles pour un service de merde. C'est ça, voilà. Donc sur ce, je vous souhaite à bien pour une soirée. Pog, c'était bien. Il continue son petit trajet. C'était le Pog Tour, l'édition 0. Over.